personnage principal, c'est une femme, une jeune femme, qui par un hasard comme ça va manger une fraise et ce geste-là va déclencher une série d'actions, de catastrophes. Et ça va être une course-poursuite constante dans tout le bouquin, très rapide. J'ai pas d'envie de préciser les lieux. Alors, c'est pas pour être universel, c'est pas une volonté de pouvoir parler à tous, mais là, je suis au quatrième roman que j'écris et j'ai pas envie de savoir où je suis vraiment, je sais pas. Là, il y a un flou qui est volontaire, je me mets sur autre chose. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais ça, apparemment, j'en fais pas quelque chose, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Ça fait une espèce de contexte un peu abstrait et qui me permet peut-être justement d'être plus libre plutôt que de savoir que là c'est la rue Intel qui tourne à droite, il y a la boulangerie, etc. Ne pas savoir ça, ça fait effectivement un nouveau lieu, un peu plus abstrait, quoi, comme un peintre qui peindrait pas en détail les fonds, quoi, je sais pas, quelque chose comme ça, qui laisserait des flous, qui laisserait des manques, des allusions. Les États-Unis sont une terre d'inspiration. Je ne sais pas si c'est une terre ou si c'est peut-être un ton. Peut-être que finalement, c'est peut-être plus une manière d'aller vite sur quelque chose. Peut-être que c'est plus ça que... Moi, en ce qui me concerne, si j'ai pris quelque chose, ce n'est pas effectivement... c'est pas le paysage, c'est pas quelque chose comme ça. C'est peut-être plus dans ce que j'ai pu lire de littérature générale. J'ai lu beaucoup, beaucoup d'auteurs américains, par exemple. J'en ai lu beaucoup, mais pas de polar, quoi. J'ai commencé de la Beat Generation à Philip Roth, des gens comme ça, quoi. Donc, la réponse est plutôt ça. Je ne la prends pas comme une terre d'inspiration, mais sûrement inspiration par rapport à plein de lectures.